J'ai fait 5 ans d'optimiste et après je voulais passer en 4-20 pour passer en double parce que j'avais pas le gabarit pour passer en ILCA 4. Sauf que le 4-20 il s'est arrêté au pôle espoir de La Rochelle. Du coup là ça a été un moment compliqué où j'ai dû choisir entre le kata et le laser. Et au final mon choix s'est tourné vers le laser parce que le kata ça allait trop vite pour moi. En fait, je commençais l'optimiste quand j'étais petit, quand j'avais 7 ans. Et après, vu que j'étais trop grand et que j'étais lourd, j'ai dû passer en laser. Je suis passé en 4.7, ça m'a plu, et du 4.7 au standard en 5 ans. L'année prochaine, je passe au Pôle Espoir de La Rochelle en ILCA 6. Mes objectifs, ce serait d'être championne de France en ILCA 6. Et après, à long terme, pourquoi pas une qualif à l'ISAF. Je m'entraîne à Monaco 3 fois par semaine. Je fais un bac STHR, hôtellerie-restauration. On arrive à un âge où il faudrait soit on continue la voile, soit on arrête, parce qu'il y a aussi le travail qui arrive derrière. Du coup, on verra bien la route qu'on choisira et ce qui fera le mieux. Quoi. Le F50, le CLGP, ça me tente. C'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est un catamaran qui vole, on pourrait dire. Et c'est un truc... juste incroyable. Ouais, ça arrive. Au pôle de La Rochelle en ILCA 6, c'est un pôle que de filles. Elles viennent de partout de France et c'est les meilleures où bah, du coup il y a beaucoup de niveaux pour s'entraîner, pour progresser plus vite. Et du coup l'année prochaine je suis très contente d'y entrer.